Appuie par Donald. Salut tout le monde, Sarko c'est Tornet, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour, comme vous l'aurez vu au titre, ma première nucléaire sur Infinite Warfare, ou pas. Justement on va parler d'un nucléaire dans ce Infinite Warfare, parce que vous allez voir que ça va être une série de 25 éliminations à l'arme. Mais malheureusement, je n'aurai pas de bombe nucléaire, et justement on va parler de ça dans ce gameplay. Je joue avec la Type 2, nous sommes sur la map terminale en match à mort par équipe et j'étais uniquement accompagné de Shadow Unity. J'espère que le gameplay vous plaira, on passe tout de suite aux commentaires, c'est parti. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, sur Infinite Warfare, il y a la présence de la bombe nucléaire et aussi la présence de la médaille nucléaire qui s'appelle désormais la médaille au rouleau compresseur. Je vais un peu faire la présentation des bombes nucléaires, donc il y en a une et de la médaille aussi. Je vais faire la présentation et la différence entre les deux. La première, il s'agit de la bombe nucléaire classique, on va dire, que vous connaissez depuis Call of Duty, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 et Ghost. C'est une bombe qui s'obtient au bout de 25 éliminations à la suite à l'arme, même si sur MW10 c'est un petit peu différent. Et une fois que vous faites ces 25 éliminations à la suite, vous obtenez une bombe nucléaire qui se lance et qui détruit tout sur son passage. Elle n'arrête pas la partie sauf en match à mort par équipe et mêlée générale. Mais dans les modes comme domination, enfin dans tous les autres modes, par exemple domination, moi je sais pas, démolition, je ne sais pas s'il y aura, ça n'arrêtera pas la partie. Ensuite vous avez cette fameuse médaille qu'on appelle nucléaire, même si sur Infinite Warfare elle s'appelle désormais la médaille rouleau compresseur. Elle s'obtient en faisant 30 éliminations à la suite en une seule manche. Par exemple vous êtes en domination à 29 à la première manche. Une fois que la game recommence à la deuxième manche, vous faites un kill, vous n'aurez pas la médaille rouleau compresseur, vous aurez la médaille sanguinaire. Voilà, c'est la différence entre les deux bombes nucléaires. Alors vous allez me dire justement, pourquoi est-ce que dans ce gameplay tu n'as pas obtenu la bombe nucléaire une fois que tu fais 25 éliminations à la suite? Justement, c'est parce que si vous ne le savez pas, sur Infinite Warfare, la bombe nucléaire qui explose ne s'obtient uniquement qu'avec des variantes d'armes spécifiques. Dans la bêta, il n'y avait que la NV4 répercussion, la FHR40KO, le EMR800, je ne sais plus lequel. Enfin bref, un sniper. En fait, il y avait seulement une seule arme de chaque type qui avait la possibilité de mettre à bombe nucléaire. Maintenant, quand le jeu officiel sortira, je ne sais pas ce que ça donnera, mais j'espère qu'il y aura possibilité de faire d'autres, qu'il y aura d'autres armes déjà pour faire la bombe nucléaire, parce que je trouve que c'est vraiment complètement débile qu'on ne puisse faire l'arme avec uniquement, qu'on puisse faire uniquement la bombe nucléaire seulement avec une arme. Par exemple, si je veux faire la nucléaire dans les fusils d'assaut avec la cabar, par exemple, je ne peux pas la faire. Je vais être obligé de tenter la médaille rouleau compresseur et pas la bombe nucléaire. Moi, je trouve que c'est vraiment un gros inconvénient dans Infinite Warfare. Pour la simple et bonne raison que moi, j'ai toujours l'habitude, sur Modern Warfare 3 ou Ghost, de prendre l'arme que je voulais, faire une série de 25 éliminations. Et je faisais ma bombe nucléaire. Surtout que des fois, je savais même pas que j'étais en série et boum, je la tapais. Maintenant, dans Infinite Warfare, vous allez devoir anticiper, entre guillemets, que vous allez faire une bombe nucléaire, ou alors vous allez vous dire, bah, je vais la tenter. Vous allez prendre l'arme qui a la bombe nucléaire, donc par exemple, avec des 4 répercussions, et dans cette partie, vous allez dire, je la tente. Personnellement, c'est pas un système que je kiffe. Je préfère un système à l'ancienne, c'est-à-dire un système où je prends une arme comme je veux. Par exemple, je sais pas, imaginons que je prends la type 2, je fais 25 éliminations à la suite avec, et boum, j'ai une bombe nucléaire. Moi, je sais pas, je trouve que c'est le système le plus classique et le système qui convient le mieux à la bombe nucléaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il est plus intéressant d'obtenir la bombe nucléaire comme sur Modern Warfare 3, par exemple, ou Ghost, en faisant une série de 25 avec n'importe quelle arme, ou est-ce que vous trouvez que c'est mieux de l'obtenir avec une variante d'arme, comme par exemple la NV4 répercussion ou la FHR40? Personnellement, moi, comme je l'ai dit, ça va pas changer énormément de choses au jeu, mais je trouve quand même qu'il y a un charme à pas avoir la bombe nucléaire avec l'arme qu'on le désire à l'heure actuelle, parce que si on doit à chaque fois avoir la variante légendaire et nucléaire de chaque arme, on pourra pas faire l'arme la nucléaire avec l'arme qu'on veut, et je trouve que c'est
un petit peu chiant de gâcher le charme de Infinite Warfare. J'attends vos avis dans les commentaires. Alors pour ceux qui me demandent, j'en ai terminé pour les commentaires. Pour ceux qui me demandent la particularité de la Type 2, parce que vous allez voir que cette arme elle est très bizarre. C'est une arme électrique avec laquelle vous pouvez faire fusil d'assaut et double SMG en fait. Elle passe, donc quand vous maintenez triangle, elle passe de fusil d'assaut à mitraillette akimbo. Voilà, donc au passage dans ce gameplay, vous pouvez voir que je n'ai plus de balles, je suis à 22, 23 et j'ai plus de balles du tout. Donc je vais ramasser un KBS Longbow, c'est la triplet marqueur je pense. Non, je n'ai pas la triplet marqueur, je croyais que j'avais la triplet marqueur, mais bon, vous allez voir que je vais avoir la nucléaire, enfin la nucléaire, la médaille brutale tout juste. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas la bombe nucléaire comme j'ai dit. Sur ce, j'attends vos avis dans les commentaires, j'espère que ce gameplay vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, c'était la faute. Bye. We'll make quite a pair. We'll slide on in.